Comme chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. Je vais vous ramener un micro, d'accord? Et on va parler à distance. D'accord. Okay. Dans l'islam, la conversion ne prend pas plus d'une minute. Il suffit de réciter la profession de foi. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilallah. Illallah. Innallah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Masha'Allah. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à embrasser l'islam? Donc en fait, depuis toute petite, j'ai toujours cru en Dieu, mais n'ayant pas d'éducation religieuse à la maison, j'ai dû faire mes propres recherches. Et jusqu'à présent, toutes les questions que j'ai pu me poser sur Dieu, il n'y a que l'islam où j'ai eu mes réponses en fait. Alhamdulillah. Masha'Allah. Elle a découvert le Coran. Alors j'ai reçu tout d'abord le Coran, c'est tout ce qu'on doit faire, pas faire. Tout est écrit dedans en fait. Vous l'avez déjà lu? Oui, trois fois. Oui. Une fois que j'ai terminé, je le relis ainsi de suite. Je veux vous dire une chose, vous êtes mieux que moi. Parce que vous venez de rentrer dans l'islam, tous vos péchés sont pardonnés. C'est comme si vous venez de naître. C'est comme si vous venez de naître. الله أكبر الله أكبر. Comme chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. C'est le cas de cette jeune femme en voile gris. Cette Française de 24 ans est vendeuse dans un magasin de chaussures. Elle s'appelle Christelle pour quelques minutes encore. Puis elle se fera appeler Shaynaise.